qu'on trouve que c'est assez important aussi pour les différentes communautés qui se trouvent à Bruxelles, mais aussi pour les habitants, les citoyens belges qui sont ici et qui sont intéressés par la situation dans les pays du sud de l'Europe et comment la crise se développe. Et comment la gauche se situe par rapport à cette nouvelle situation dans les pays du Sud, mais aussi au niveau européen. Bien sûr, dans le cadre des événements et des débats que nous voulions organiser, ça ne va pas être le premier, il y aura aussi d'autres qui seront organisés le mois prochain. Et on voudrait, comme on est une organisation nouvelle du point de vue belge, l'organisation de Syriza en Belgique, on voudrait aussi établir les relations avec les organisations, les représentants d'organisations qui sont présents aujourd'hui, dans le cas où on n'a pas déjà établi ces relations-là. Donc, tout d'abord, pour dire quelques mots sur la situation en Grèce, bien sûr, Nikos Koutis va aussi intervenir sur ça. Donner seulement quelques chiffres pour que vous compreniez un peu, donner une image de la situation en Grèce en ce moment. Depuis la votation du mémorandum, du premier mémorandum en Grèce, le pays vit dans une crise humanitaire. En ce moment, on a plus de 430 000 mineurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Depuis 2009, il y a eu plus de 3200 suicides, d'attentats de suicide en Grèce. Seulement à Athènes, on a des chiffres qui atteignent les 40 000 personnes sans domicile fixe. Et dans plusieurs de ces cas-là, des personnes qui sont soit des chômeurs qui habitent à des bâtiments pendant cette période d'hiver. Donc, beaucoup de cas, ils vivent dans des températures de moins de 10 degrés. Comme vous comprenez, il y a aussi la difficulté de payer les chauffages et tous les autres factures afin de couvrir les besoins basiques. Et donc, les 50% des foyers ne peuvent pas couvrir ces besoins basiques en ce moment en Grèce. Je suppose qu'on va voir aussi dans les pays comme l'Espagne et le Portugal, c'est des situations équivalentes. En ce moment, les chiffres officiels du gouvernement parlent d'1 340 000 chômeurs, avec des prédictions qui atteignent les 1 750 000. On parle déjà de pourcentages qui peuvent atteindre le 30% de la population active, et dont le pourcentage du chômage chez les jeunes, ça dépasse l'Espagne. Et la Grèce devient le premier pays avec des pourcentages énormes qui atteignent le 50-53%. Et donc, l'image actuelle est très présente dans tous les foyers, qu'un foyer sur deux a déjà dans sa famille des personnes qui sont sans emploi. Et en ce moment, en parallèle avec toute cette situation et toutes les mobilisations qui se crée au niveau local et national, la seule réponse du gouvernement est une très forte répression qui attaque chaque mobilisation qui se passe en ce moment en Grèce. Donc je ne vais pas parler plus de ça, je vais laisser aussi la parole à la question de la situation en Grèce. Donc les autres parents qui sont sur le point, c'est Alda Souza du bloc de gauche du Portugal, qui va être la première intervenante, qui est députée européenne du bloc de gauche. Willy Meyer, à ma droite, de Izquierda Unida, de la gauche unie d'Espagne, aussi député européen. Georges Jespers, de la Belgique, qui est président du groupe salarial d'ArcelorMittal en Europe, avec, je suppose, vous connaissez tous la lutte actuelle dans le secteur de la sidérurgie en Belgique, et pas seulement en Belgique, mais dans toute la région du Grand Bassin, comme ça s'appelle. Et Nikos Koutis, le député européen de Syriza de la Grèce. Donc je vais donner déjà la parole à Alda. On peut commencer le débat. Bonsoir à tous et à toutes, chers camarades.
Tout d'abord, merci à Civisa Belgique pour avoir organisé ce débat et pour nous avoir invités. Je voudrais saluer mes camarades députés européens Nikos et Willy, et je voudrais saluer aussi Georges Jespers, président du groupe syndical de l'ArcelorMittal. Je voudrais saluer leur lutte, votre lutte, et je veux aussi manifester notre solidarité contre la répression brutale dont vous avez été victime, même récemment, dans la manifestation à Strasbourg. C'est très important que des forces de gauche, politiques de gauche, puissent échanger d'expériences et aussi essayer d'avoir des réponses communes, de trouver des chemins en commun. Je vais essayer d'être courte, de faire une intervention courte pour laisser du temps pour le débat, mais je voudrais quand même parler de trois points. Le premier, ils vont être un peu mélangés dans mon discours, mais ce ne sera pas des points très tout à fait séparés. La situation avant et après l'arrivée de la Troïka, les réponses au mouvement ouvrier syndical et des mouvements sociaux, et puis aussi la réponse politique que le bloc de gauche apporte à la société portugaise. Et ici, on pourrait parler de réponses au niveau national, mais aussi des propositions au niveau européen. Bon, il faut commencer par dire que la profondeur de la crise portugaise est le résultat des choix faits par la bourgeoisie et les élites portugaises qui ont fait du Portugal un des pays européens les plus vulnérables. Il s'agit d'un modèle de développement dominé par la finance et les bâtiments et qui se soutient des salaires très bas. Quand la bulle immobilière a rompu, l'État a couru pour sauver les banques qui avaient provoqué cette bulle immobilière. La spéculation internationale a amené l'État en banqueroute et l'État, à la demande des banquiers, a fait appel à la Troïka pour venir nous sauver. En fait, la dette publique portugaise est parmi les plus profitables de l'Europe et le pays est complètement pris en otage par l'FMI, par la Banque Centrale Européenne et par la Commission Européenne. Si en 2009, la dette représentait 80% du produit interne brut, en 2013, donc 4 ans après, et ça veut dire 2 années après l'intervention de la Troïka, c'est 120% du PIB. Donc vous vous rendez compte du changement brutal et de l'augmentation de la dette. La Troïka est entrée en mai 2011, donc il n'y a même pas 2 ans, à l'appel du Premier ministre du Parti Socialiste, José Sócrates, qui était Premier ministre à l'époque. Le PS et les partis de la droite ont tous les trois accepté les conditions imposées par la Troïka et ont tous les trois signé le mémorandum. Ils nous ont tous fait croire à l'époque que l'intervention de la Troïka était inévitable et que sans l'aide de l'extérieur, les salaires des fonctionnaires publics, par exemple, et les retraites ne pourraient plus être payés. Ce que tout le monde sait maintenant qui est faux, et on sait avec les chiffres. Le mois suivant, le gouvernement socialiste démissionne et la Troïka arrive au Portugal. Le Parti social-démocrate, qui est le parti bourgeois par excellence, en coalition avec la droite catholique, gagne les élections, donc en mai 2011, avec la promesse de mettre les comptes du pays dans l'ordre, de ne pas toucher au salaire, de ne pas augmenter les impôts et respecter le mémorandum sans beaucoup de sacrifices. Tout sera très rapide, mais en quelques semaines, toutes les promesses électorales ont été rompues. Ils respectent le mémorandum et, en plus, dans certains cas, ils vont même plus loin que le mémorandum. On a découvert récemment que, par exemple, en ce qui concerne la santé, les coupes de budget que le gouvernement portugais avait fait avaient été presque le double de ce que la Troïka avait demandé et exigé. Donc, ils vont encore plus loin que ce que la Troïka leur a demandé. À l'époque, donc il y a 2 ans, ceux et celles comme le bloc, pas seulement le bloc, mais qui s'opposaient au bail-out et aux conditions imposées par la Troïka étaient vraiment perçus comme des irréalistes, même parfois on nous appelait des martiens. Mais le pays a vraiment beaucoup changé. La situation économique et sociale s'est beaucoup, beaucoup aggravée.
Il y a un petit tract en anglais là sur la table avec quelques chiffres qui vous pourront renseigner mieux et vous donner une idée de l'évolution de la situation au cours des trois dernières années. Donc je ne vais pas beaucoup répéter ces chiffres, je vais essayer d'illustrer avec quelques chiffres bien sûr, mais il y aura des chiffres plus détaillés là dans le petit tract. Il y a des enfants qui s'évanouissent à l'école parce qu'ils ont faim et ils arrivent à l'école sans avoir rien mangé et que parfois même pas la veille, pas seulement le petit déjeuner, mais même pas la veille. C'est quelque chose qui serait tout à fait inimaginable au Portugal il y a quelques années. Il y a plus d'un million de retraités avec une retraite de moins de 300 euros par mois. Il y a environ 25% de chômeurs et les précaires constituent environ 53% de la force de travail active. Les immigrés, les gens plus jeunes qui émigrent, qui sortent du pays maintenant, sont surtout des jeunes très qualifiés et le chômage jeune est près de 40%. Bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, les mesures du gouvernement et de la Troïka ont conduit à la destruction presque irréversible des services publics, notamment de l'enseignement public, de l'école publique et du service national de santé, qui était vraiment quelque chose de très bon au Portugal, qui a été un des acquis les plus importants des années après la chute de la dictature et qui avait des index au niveau mondial très bons et très importants. Et tout ça, c'est vraiment un tremblement de terre du point de vue social et des acquis des années qui ont suivi la chute de la dictature. L'année dernière, pour la première fois depuis les années 80, la mortalité infantile a monté au Portugal. Bon, il faut aussi dire que les dernières années, le nombre de suicides a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Et les drames sociaux et le nombre de personnes qui... Il y a des centaines de milliers de gens qui doivent recourir chaque jour à l'aide d'institutions sociales, de charité, religieuses ou laïques, pour survivre. Mais comme j'ai dit, ça a beaucoup changé, mais aussi il y a beaucoup, de plus en plus de travailleurs et de jeunes qui ont la conscience que ces mesures seront mortelles, non seulement pour leur vie maintenant, mais aussi pour celle de leurs enfants et même de leurs petits-enfants. Et ça, c'est tout l'avenir qu'on met en cause. Le gouvernement décide de réduire les allocations au moment précis où les gens en ont le plus besoin. Mais c'est pourquoi aussi il y a eu des mobilisations très importantes, surtout depuis l'été dernier. Il y a eu une manifestation très grande, gigantesque même, le 15 septembre, qui a mis dans les rues plus d'un million de personnes de toutes générations. Et on voyait dans la manifestation des gens avec leurs enfants, leurs parents, donc les grands-parents et les petits-enfants. Ils avaient des familles entières qui étaient venues à la manifestation. Cette manifestation a été surtout réalisée à l'appel d'un collectif qui a mobilisé par Facebook et les réseaux sociaux. Et le mot d'ordre central, c'était « La Troïka, on s'en fout, on veut nos vies de retour ». Et ça, c'était le grand mot d'ordre et d'appel de la manifestation. Mais il y a eu aussi d'autres luttes qui ont eu quelques victoires. Après cette manifestation, le gouvernement a dû reculer sur sa proposition de baisser la part des entreprises dans les cotisations pour la sécurité sociale. Ils ont été vraiment obligés de reculer sur cette proposition. L'année dernière aussi, la Cour constitutionnelle a déclaré nulle la proposition du budget de 2011 qui faisait des coupes de salaire pour la fonction publique. Et ça a été déclaré non constitutionnel par la Cour constitutionnelle. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont améliorées, mais il y a des luttes très importantes, il y a donc un contre-courant et il y a un mouvement qui, avec des hauts et des bas, est quand même dans une offensive pour qu'il en a marre du gouvernement de droite et de la Troïka. C'est vrai que la Troïka a en quelque sorte été obligée d'adopter un plan B. Et le plan B, c'est vraiment l'attitude du Parti Socialiste Portugais,
qui a voté contre le budget 2013, mais ça n'avait aucune conséquence parce que la droite n'avait pas besoin des votes du Parti Socialiste pour approuver le budget, mais qui, par contre, vote contre la motion de censure que le Bloc a présentée au Parlement, une motion de censure au gouvernement, parce qu'ils disent qu'ils sont très responsables et qu'ils ne veulent pas rompre avec la Troïka. D'ailleurs, ils s'opposent à la hausse du salaire minimum que le Bloc et aussi le Parti communiste ont demandé au Parlement, et le Parti socialiste ne vote pas en faveur. Ils refusent aussi de condamner les augmentations brutales d'impôts, et bien sûr, ils ne veulent pas entendre parler de la renégociation de la dette. Mais il y a de plus en plus de gens, même des gens de droite, même des gens qui, en n'étant pas de droite, ont voté pour les partis de droite il y a 2 ans, et qui trouvent qu'il est impossible de payer la dette. Cette dette est absolument impossible d'être payée. Et donc, parce qu'il constate que la dette ne fait qu'augmenter depuis l'année de la Troïka, et que chaque emprunt ne sert pas à créer de l'emploi, mais sert seulement à payer les intérêts de l'emprunt précédent. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, et donc qui se rendent compte que ce chemin d'austérité n'a pas abouti à la création d'emplois, n'était pas des mesures transitoires, mais ce sont plutôt des mesures de la Troïka qui en sont là pour rester, mais vraiment pour assassiner tout avenir et tout espoir. Donc, en dernier lieu, parce que je voudrais laisser du temps pour le débat, je voudrais simplement vous parler un peu du dernier congrès du Bloc qui s'est tenu en novembre dernier et de nos propositions pour sortir de cette situation. Je serai vraiment très, très courte. On avait comme la résolution de la plateforme qui a gagné avait pour titre la gauche contre la dette, donc ça je crois que ça dit déjà beaucoup parce que c'était vraiment un point de démarcation. Bon, et toutes nos affiches au congrès avaient le mot d'ordre vaincre la Troïka. Pour nous, le rejet du mémorandum et la renégociation de la dette sont aujourd'hui au centre du débat et des choix politiques. Parce qu'on n'augmentera pas les salaires, on n'ira pas, renationaliser ce qui a été privatisé, etc., etc., si on est toujours sous le carcan du mémorandum. Et c'est vraiment la ligne rouge démarcation. C'est le mémorandum de la Troïka et la question de la renégociation de la dette. Donc, en ce qui concerne la dette, on propose bien sûr l'annulation de toute la dette qui est illégitime, réduire la dette à 60% du PIB et renégocier non seulement les montants de la dette, mais les échéances, les taux d'intérêt, etc., avec les institutions créancières nationales, mais aussi avec les internationales. Il faut introduire un nouveau système fiscal, il faut bien sûr nationaliser la banque en mobilisant les ressources pour l'investissement public. Pour terminer, parce qu'on pourra beaucoup discuter après si on a le temps, je voudrais dire que le Bloc refuse de sortir de la zone euro. Bon, on peut nous mettre à la porte, on peut nous mettre dehors, mais ça c'est autre chose. Ce ne sera pas notre choix. Nous voulons rester dans la zone euro, nous voulons changer l'Europe avec d'autres forces politiques. Nous n'abandonnerons pas ce combat pour une Europe démocratique, socialiste, écologiste, féministe et solidaire. Et plus que jamais, nous trouvons que cette autre Europe que nous tous voulons et toutes voulons construire est vraiment nécessaire. Et donc, c'est ça pour l'instant. Bon, il semble que les problèmes sont assez pareils partout. Donc, pour continuer. Dans le même problème, je vais donner la parole à Willy Meigel, député d'Izquierda Unida, et avec l'aide d'Elvira pour la traduction. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo también quería agradecer a Syriza de aquí en Bruselas la posibilidad de tener este debate desde la perspectiva del sur de la Unión Europea.
Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier Cyrus ici en Belgique pour nous donner la possibilité d'avoir cette discussion et du point de vue de la gauche dans le sud de l'Europe. Y cómo no decirle al compañero de Arcelor que en España también hemos sufrido en las tres factorías que tenemos en Asturias, en Levante y en Madrid, lo que está significando esa orientación económica neoliberal que acaba con industrias estratégicas para la creación de empleo. Bien sûr, au camarade d'ArcelorMittal, je voudrais transmettre notre solidarité, car déjà en Espagne, on connaît bien les conséquences de cette orientation économique néolibérale et on les a souffert dans les trois usines d'ArcelorMittal en Espagne, en Asturias, à Valence et à Madrid. Los tres países, Grecia, Portugal y España, en otras ocasiones en la historia hemos tenido problemas comunes. España ha sido el país de la Unión Europea que tuvo una dictadura fascista hasta el año 77, Portugal hasta el 75, y en Grecia, 74, y en Grecia hubo el golpe de los coroneles para acabar con la democracia. Ahora tenemos también un problema común, y es que se ha dado un golpe en el sur de Europa, un golpe antidemocrático por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo y por el Fondo Monetario Internacional. Es un golpe antidemocrático en tres países que saben lo que es un golpe y saben lo que es el fascismo. L'histoire de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne, on a déjà eu dans le passé des problèmes en commun. Et l'Espagne a sorti d'une dictature militaire fasciste et en 1977, le Portugal en 1974, et aussi la Grèce a souffert le coup d'État de Coronel. Mais maintenant, tous les trois pays ont fait face à un problème qui est un coup d'État antidémocratique. Qui a été perpétré par la Commission européenne, par le Fonds monétaire international, par le Parlement européen. Et on fait face, dans ces trois pays, à un coup d'État antidémocratique dans des pays qu'on connaît bien ce que veut dire un coup d'État et ce que veut dire une dictature. La description que acaba de faire la compañera de Portugal, je crois que est pratiquement parecida en Espagne, en alguns points plus dramatiques. En otros tal vez menos dramática, Grecia exactamente igual, hay un denominador común en los efectos, de esta política, que es el resultado de una opción política de construcción en la Unión Europea. La descripción que la camarada de Sousa hace sobre la situación en Portugal se ressemble beaucoup a ce qui est la situación en España. Hay des aspects qui sont plus dramatiques au Portugal, d'autres aspects qui sont plus dramatiques en Espagne ou en Grèce, mais il n'y a pas une grande différence parce qu'il y a des éléments en commun entre nos pays. Et ce que nous tous on souffre, les effets des mêmes politiques qui sont le résultat d'un choix politique qui a été pris par l'Union européenne. En España ya sabéis que estamos a la cabeza del desempleo, 6 millones de personas en paro, de los cuales más de 2 millones ya no cobran nada, cero. El problema de los desahucios, personas que se les expulsa de las viviendas por no pagar, personas que se suicidan cuando reciben el aviso del juzgado y se suicidan porque no tienen ninguna posibilidad de poder vivir con dignidad. El paro juvenil, me acaban de informar de que ya no estamos a la cabeza, parece que es Grecia la que está a la cabeza de la Unión Europea del paro juvenil. Estamos con el 50% de paro juvenil en lo que significa España. Y un ataque brutal para privatizar los servicios públicos. En Espagne, on est à la tête des chômeurs en Union européenne. On a 6 millions de chômeurs, dont 2 millions ne reçoivent plus aucune allocation. Et on a aussi le problème des expulsions locatives, des saisies immobilières et des gens qui suicident parce qu'ils vont perdre leur maison quand ils reçoivent la vie qu'ils vont être expulsés de leur maison. Et on a été aussi, je viens d'apprendre qu'on est plus à la tête du chômage chez les jeunes.
et il semblerait que la Grèce nous a dépassé. Mais en Espagne, en tout cas, on a un chômage des jeunes d'environ 50%. Y tenemos en estos momentos una situación de una rebelión social y una movilización sin precedentes desde antes de la dictadura, es decir, desde antes del 77. Todo el mundo está movilizado. La educación, la salud, las empresas, la siderurgia, los pensionistas, la universidad, todo el mundo. Y ahora la pregunta que nosotros nos hacemos en España es... Bien, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que hacer la izquierda para que podamos parar el sufrimiento, el dolor y este golpe antidemocrático? Face à cette situation, on vit une situation de révolte sociale permanente qu'on n'a pas connue depuis les années de la dictature. Mais il y a des mobilisations dans tous les secteurs, dans l'enseignement, dans la santé, dans les usines, dans les universités, dans les écoles. Mais la question qu'on se pose maintenant, la gauche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et qu'est-ce que peut faire la gauche pour trouver une solution? Le 23 de février de 1981, les militaires en Espagne ont tenté de faire un golpe d'État, occupant le Congrès des députés. Este año vamos a hacer una gran movilización en esa fecha emblemática del intento del golpe de Estado en contra del golpe de la Troika. Y vamos a rodear el Congreso de los Diputados con todas las mareas, la blanca, la verde, para que signifiquemos la necesidad de defender la democracia, y defender la democracia es estar en contra de la intervención de la Troika. Et le 23 février 1981, l'Espagne a souffert un coup d'état militaire, un essai de coup d'état militaire, et les militaires ont occupé le Congrès, le Parlement espagnol, et ça sera le 23 février, la même date, qui est une date très symbolique en Espagne, où nous aurons une forte mobilisation contre le coup d'état de la Troïka, où il y aura une convergence de plusieurs mobilisations, qu'on les appelle en Espagne des marées, des vagues, et qui sont de différentes couleurs, qui vont toutes se battre, converger le 23 février dans une grosse mobilisation. Et à la réponse de la question, nosotros desde España nos estamos haciendo la siguiente composición de lugar. Esta situación dramática que vive la Unión Europea no es el fruto de un fenómeno meteorológico adverso. No es que se haya abierto el cielo y caigan rayos y centellas destruyendo empleo. Este sufrimiento, este dolor, esta descomposición de un proyecto que pretendía la cohesión social y territorial en Europa es el resultado de un acuerdo político que se toma en los tratados europeos desde Maastricht hasta Lisboa, hasta el Tratado de Estabilidad, por acuerdo de la socialdemocracia, los liberales y los conservadores. Me pasa la cuestión que se pose de qué es que hay que hacer ahora. La composición que hacemos aquí de la Gauche Unie, c'est que face à cette situation dramatique, il ne s'agit pas d'un phénomène et des situations de catastrophe météorologique, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, qui aggrave la destruction de l'emploi. Et toute cette souffrance, toute cette douleur est le résultat d'une politique qui va briser les essais de politique de cohésion sociale dans le sein de l'Union européenne. Et c'est le résultat des désaccords qui ont été pris depuis le traité de Maastricht jusqu'au traité de Lisbonne, en passant par le traité de Lisbonne, en arrivant au pacte pour la stabilité, et qui sont le résultat des décisions prises par les forces de la social-démocratie, les libéraux et la droite. En synthèse, el corazón de la orientación económica pactada es intentar basar la construcción de la Unión Europea sobre el gran principio de la desregulación del mercado. Desregular el mercado, desregular el sector financiero, privatizar todos los sectores estratégicos de producción,
y dejar al mercado absoluta libertad para organizarnos la vida. La santé, el cœur de esta orientación económica de la Unión Europea, que ha sido la base sur laquelle a été construite l'Union européenne pendant les dernières années, et ça a été fait sur la base d'une réglementation totale des marchés, de la finance et de la privatisation de tous les secteurs stratégiques de l'économie, et pour laisser la voie ouverte totalement au libre marché. Y esto que es la traslación de lo que se llama el consenso de Washington, que John Williamson publicó en 1989, lo que Washington entiende por política de reformas, que se llevó a rajatabla a partir del Tratado de Maastricht, se le añadieron dos puntos más europeos. Uno, una moneda única sin tesoro público, es decir, la única moneda del mundo que no se puede devaluar, y por lo tanto, para controlar la inflación, solamente hay un recurso, y es reducir los salarios, porque no hay tesoro público y no se puede devaluar la moneda. Y dos, un Banco Central Europeo que no es la Reserva Federal. Es un prestamista que presta a los bancos privados a un interés y estos lo prestan a los estados a otro interés para hacer el gran negocio. La transposición del consensus de Washington, que en 1989, c'est John Williamson qui a déjà publié ce que le Washington comprend comme politique de réforme. Mais en Europe, on a ajouté deux points qui n'étaient pas sur le point du consensus de Washington. Et c'était la création d'une monnaie sans un trésor public. Et alors une monnaie, c'est la seule monnaie dans le monde qui ne peut pas être dévaluée et qui n'a pas de trésor public. Alors pour contrôler l'inflation, la seule façon c'est d'attaquer les salaires. Et deuxièmement, le deuxième élément, c'est la création d'une banque centrale européenne qui n'est pas une réserve fédérale comme celle des États-Unis, mais qui agit comme un prestamiste qui octroie des prêts à la banque privée pour que la banque privée accorde des prêts aux États. Entonces, nosotros estamos en España en una fase para emplazar a la gente que está sufriendo. Todo esto que está ocurriendo en Europa es porque la gente ha votado en las urnas. Es decir, la gente ha votado mayoritariamente a las fuerzas políticas que nos han llevado a esta situación. En España, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, los dos. Y entonces nosotros tenemos que intentar transformar la movilización en alternativa, la alternativa en más organización, para disputar el poder. Es el momento de decir a la gente: bien, vosotros habéis votado a Mariano Rajoy con mayoría absoluta y vosotros tenéis que decidir si hay que votar a Mariano Rajoy, si hay que votar al Partido Socialista, que era el anterior partido que ha refrendado todas estas políticas, o votar Izquierda Unida. Y tenemos una ocasión, y es que dentro de un año hay elecciones europeas. Yo creo que la izquierda que estamos aquí, política y social, tenemos una responsabilidad. Y es decir, a todos los pueblos de la Unión Europea, de que esa fecha es la mejor ocasión para cambiar esta orientación neoliberal. Con esta orientación neoliberal es imposible construir la Unión Europea. Imposible. Se tiene que refundar el proyecto europeo. Refundar el proyecto europeo para ponerlo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, para crear empleo, para tener una moneda única con tesoro público, para tener un espacio económico y social democrático, para que tengamos consorcios públicos en el paquete energético, en el transporte, en la siderurgia, en el sector naval, sectores estratégicos de producción para crear empleo y poner la economía al servicio del interés general y no de las multinacionales y no de los bancos. Yo termino como empecé, agradeciendo a Elvira y a Syriza de esta oportunidad, y yo espero que de cara a las elecciones europeas podamos presentarnos al menos con plataformas
muy comunes para hacer ver al pueblo europeo, a los hombres y mujeres, que es posible otro. Y muchas gracias. Adiós. ¿Qué es que nous faisons, nous, à Izquierda Unida, à l'Eugénie, en Espagne? Et nous voulons interpeller, nous sommes en train d'interpeller les gens qui souffrent. Et tout c'est parce que pour nous, ce qui se passe, c'est le résultat de ce que les gens ont voté pour. Ce sont les gens qui ont voté et pour le Parti Populaire, et pour la droite, ou pour le Parti Social-Démocrate. Et le PCO en Espagne. Et nous, à la gauche unie, ce qu'on veut faire, ce qu'on dit, c'est de transformer la mobilisation en alternative et transformer l'alternative à l'organisation dans le but de prendre le pouvoir. Et, mais pour nous, c'est l'occasion idéale parce que c'est le moment de dire aux gens qui souffrent cette crise, qui ont voté pour Rajoy, qui ont donné la majorité absolue au gouvernement de la droite. Et c'est le moment de leur dire, c'est vous qui avez voté pour, ou avant vous avez voté pour le Parti Socialiste qui a soutenu les mêmes politiques. Mais maintenant, c'est une occasion unique, très importante pour la gauche unie, et surtout d'avant les élections européennes, au Parlement européen qui auront lieu l'année prochaine. Et il est le moment que la gauche assume, que nous de la gauche assumons notre responsabilité. Et c'est le moment de dire au peuple de l'Europe qu'il est possible, et c'est le moment pour changer, mais il est possible de changer l'orientation néolibérale de l'Union européenne. Et parce qu'on veut une refondation de l'Europe, une refondation du projet de l'Union européenne pour mettre l'Union européenne au service des citoyens. Pour créer de l'emploi, pour créer un espace économique et social et démocratique, pour récupérer le secteur stratégique de l'économie, et pour créer de l'emploi, pour mettre l'économie au service des gens et non pas au service des grosses entreprises. Nous, on espère que. Pour les prochaines élections européennes, on sera capable, dans la gauche européenne, de converger au moins dans des plateformes en commun. Et pour pouvoir transmettre ces messages d'espoir aux gens et pour lui montrer qu'il est possible de construire une autre Union européenne. Et je remercie beaucoup. Merci à Willy, à Elvira. On va faire un petit retour en Belgique avec Georges Espers, aujourd'hui le président du groupe salarial d'ArcelorMittal en Europe, pour nous donner aussi une image de la situation actuelle au secteur de la sidérurgie en Belgique, mais aussi de la région, et plus spécifiquement la lutte actuelle des travailleurs d'ArcelorMittal, la lutte qui mène qui est assez forte pour le niveau de mobilisation en Belgique, mais aussi c'est un exemple en ce qui concerne le reste des luttes au niveau de l'Europe. Alors, je voudrais remercier Syriza évidemment de m'avoir invité, et surtout Nico Cué de m'avoir invité un peu au pied levé, et parce que cet exercice, je l'adore. Donc, je vous demanderai toute votre complaisance par rapport à moi. Je voudrais aussi exprimer mon mal-être avec ce que vit et ce que viennent de nous dire mes voisins, parce que ce que vit la Grèce depuis la crise, quand je dis la crise, on sait tous d'où elle vient, ce n'est pas notre crise, évidemment. Et que donc, ce que vit la Grèce, l'Espagne, ou l'Irlande, ou même le monde du travail, parce qu'on parle de l'exemple allemand, etc., ou même ici en Belgique, moi je peux vous dire que le monde du travail souffre énormément de la situation et que nous reculons
dans nos acquis depuis pas mal de temps, mais bon, je pense qu'on va garder la tête haute et que les combats ne sont pas perdus d'avance. Alors je vais essayer en quelques mots de vous expliquer notre combat au sein de MITAL. MITAL, c'est 145 000 travailleurs en 2006 et c'est en 2013 93 000. Donc moi j'appelle cette entreprise, c'est un fossoyeur de l'emploi, c'est un prédateur. Et il y a deux dates en 2008 qui m'ont moins marqué. C'est en juin une assemblée de cadres, des 500 cadres les plus importants de l'entreprise, c'était en Inde. Et là, ils ont dit que 40% de la production d'acier d'ArcelorMittal était produite hors Europe et 60% en Europe. Et que ça, il devait y avoir un rééquilibrage. Je pense que ça, c'est un tournant important. On n'a pas tous pris conscience au moment où ça a été dit, mais ça a orienté toute la politique de Mittal dans les années qui ont suivi. Et puis, il y a une autre date, c'était en décembre 2008, où j'ai été invité à rencontrer Mittal et où il nous a bien fait comprendre qu'en Europe, il y avait trop de bureaucratie. Alors, qu'est-ce qu'il entendait par bureaucratie? Mais les travailleurs sont trop organisés, il y a des syndicats et ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Et donc, ces deux réunions, ces deux choses que j'ai vécues ont orienté jusqu'à aujourd'hui sa politique. Alors, il y a eu aussi, dans les mois qui ont suivi, une déclaration importante où ils ont décidé de faire des investissements verticaux. Alors, qu'est-ce que c'était pour eux, les investissements verticaux? C'était qu'il fallait acheter des mines. Donc, il fallait la matière première et ensuite l'outil de production avec les usines à chaud, le froid, etc. Et donc, ces achats de mines, il les a fait avec l'argent de la sidérurgie, évidemment. C'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. Il s'est aussi endetté. Et cette politique-là l'a mené, évidemment, lorsque la crise, que je mets entre guillemets, est arrivée, bien évidemment, ça a aussi orienté sa politique. Et sa politique, évidemment, des prix. Parce que, évidemment, comme il a acheté de manière boulimique des mines, il fallait, évidemment, vendre de l'acier le plus cher possible. Et pour cela, quand c'est un peu plus difficile, la concurrence, elle, n'avait pas tout à fait la même politique. Et donc, il a perdu des parts de marché. Alors, ces parts de marché et son endettement ont fait qu'il a dû concentrer ses activités sur les sites les plus rentables. Mais ça ne suffisait pas. Donc il a restructuré dans les emplois, je dirais des emplois de bureau, les frais fixes comme on dit. Ça ne suffisait pas encore assez. Il a décidé d'externaliser des pans entiers, de faire le travail ailleurs. Par exemple, la comptabilité a été sortie du groupe et a été faite en partie en Pologne et en Inde. Mais aussi l'informatique. Et aussi dans les usines que l'informatique c'est important pour la gestion de la production, la gestion des outils. Il a aussi diminué son budget de recherche et innovation. Or, aussi, dans l'Europe, si dans la production d'acier, je pense qu'on est tous conscients que on maintient une sidérurgie à condition qu'elle fasse des produits de haut niveau, je dirais, assez développés, de recherche. Donc les budgets recherche et développement sont importants pour l'avenir de notre sidérurgie. Il y a aussi, et on n'en parle pas suffisamment, j'en parlais avec un collègue tout à l'heure, des idées de restructurer la distribution. La distribution, c'est des dizaines et des dizaines, des centaines de petites et moyennes entreprises, et où actuellement, on a déjà perdu
plus de 2000 emplois et plein de petites unités qui ont fermé. Alors, face à ce rouleau compresseur, c'est parfois difficile de s'organiser. On est 9 pays au comité d'entreprise européen, c'est 30 syndicats différents, et donc c'est difficile de pouvoir s'entendre, parce que parfois, il faut avoir l'honnêteté de le dire, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Et donc, on doit essayer d'être au-dessus de toutes ces... de toutes ces choses et essayer de se solidariser. Et on y arrive pas mal, je dois dire que le travail que l'on a fait au niveau régional, national, mais aussi européen, tout doucement porte ses fruits, une prise de conscience. Le commissaire européen a fait des déclarations aussi dernièrement, les différents ministres des pays aussi. Et donc, il y a une certaine dynamique, mais c'est surtout aussi la détermination des travailleurs. Parce que sans eux, je pense que même l'opinion publique a tendance à dire ben, « Tiens, la sidérurgie n'est-ce pas obsolète, n'est-ce pas comme les mines hier ?» Mais non, l'acier, ben, vous rentrez dans votre voiture, c'est de l'acier, vous allez dans votre frigo, c'est de l'acier, vous allez mettre votre linge dans la machine à lessiver, c'est de l'acier. Et donc, ce n'est pas obsolète, l'acier. L'acier, on en a besoin au quotidien. Je dirais que c'est, pour moi, stratégique dans un quotidien comme l'Europe. Et donc, il y a le combat, comme je disais, syndical et politique, qu'il soit régional, national ou européen. Et puis, il y a des exemples, parce qu'il y a des exemples en Europe qui fonctionnent et qui ont beaucoup mieux passé la crise que les grandes multinationales de la sidérurgie. Et c'est ça, par exemple, il y en a deux en Allemagne, c'est Sarsal, Salzgitter, il y en a en Autriche, c'est Wolfsantin, il y en a un en Finlande, c'est Deutaruki, et un en Suède, c'est SSAB. Et quelles sont leurs particularités? C'est que ces usines sidérurgiques sont toutes ou en partie dans les mains du public. Et je pense que tout le monde aura compris, ce n'est pas difficile à comprendre, mais qu'est-ce qui nous différencie de ces gens-là, de ces usines-là, mais c'est qu'on n'a pas des groupements d'actionnaires, ils n'ont pas de groupements d'actionnaires, ou s'il y en a, c'est limité. Par exemple, dans la Sarre, Mittal a encore 20% de l'actionnariat, mais le reste est détenu par le Land de Sarre. Et donc pour nous c'est un espoir dans notre combat au quotidien et c'est une voie à suivre, c'est un exemple et c'est pour ça que nous nous battons. Voilà, j'ai essayé d'être un peu synthétique, c'est pas un exercice très facile pour moi, mais bon voilà, j'espère que si vous avez des questions, je serai évidemment prêt à y répondre. Merci de votre attention. Je voudrais, de la part de l'organisation du siège en Belgique, pour remercier encore une fois toute la solidarité, surtout de métallurges de la GDB pendant la mobilisation des aciéries en Grèce. Et rappeler qu'ils avaient envoyé une délégation importante en Grèce pour montrer leur solidarité pendant les mobilisations qu'on a eues il y a quelques mois. Bon, je vais donner maintenant la parole à Nikos Koudis, le député européen de Syriza, pour terminer ce premier tour de parole, pour qu'il fasse une situation d'exception de la situation en Grèce en ce moment. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση που κρατάμε στο Σύριζα Βελγίου. Την Άντα, τον Πέτα Άντα. Je voudrais remercier Άντα particulièrement, alors que j'ai Άντα. Ευχαριστώ τον Πέτα, grazie Φίλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να έλεγα και grazie, δηλαδή να είχαμε γίνει καλό, δυστυχώς δεν υπάρχει καλό ο παρακολουθής της αριστεράς στο σημερινό δοκιμό. Ούλια, ερχόμαστε στις επόμενες προεκλογές να καλυφθεί και αυτό το κοινό.
J'aurais aimé pouvoir dire Katsi, c'est-à-dire un collègue italien, mais malheureusement, on n'a pas de groupe de gauche italien au Parlement européen. Et j'espère qu'après les élections européennes en 2014, tout ça, ça va changer. Si se pongan las palabras y crisis, daré un discurso por su libro, de quien le dejo por un momento, 14 libros y 13 moñas y catarsis. Je suis certain qu'au prochain débat comme celui-là, il y aura un collègue cypriote que le chiffre va montrer aussi dans la même situation avec le mémorandum. Mais là, par contre, je n'ai pas de problème de traduction. Merci, Georges. Et merci, merci, Georges. Merci, M. Kitsch, M. Kitsch. Pour sa participation au débat aujourd'hui. Μας θυμίζει ότι όταν λένε ευρωπαϊκό σύμβατο, δεν εννοούμε μόνο γεωγραφική πλευρά, αλλά και ταξική πλευρά, και κοινωνική πλευρά. Il nous rappelle très bien que quand on parle du sud de l'Europe, on ne parle pas seulement de l'aspect géographique, mais on parle surtout de l'aspect social et l'aspect des classes. Να το πω διαφορετικά, η ταξική πάλι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, θα μπορούσε να πει ότι έχει δύο στρατόπεδα, τους βορείους και τους νοτίους, όχι με τη γεωγραφική. On pourrait dire que la lutte des classes aujourd'hui en Europe s'est divisée en deux champs, ceux du Nord et ceux du Sud, mais pas dans un sens géographique. Από αυτή την έννοια, με αφορμή την κρίση, αυτός ο αγώνας, ο ταξικός αγώνας, έχει οξυνθεί. Alors, sous cet aspect-là, et à cause de la crise, cette lutte des classes est beaucoup plus dure. Et là, vous dites l'Europe, qui est le rôle de l'Aristaras, qui est le rôle de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe. Alors, ici, on pose la question, c'est quoi le rôle de la gauche au niveau national ou au niveau européen? Για να διευκολυνθεί η μετάφραση λόγω της πολυεθνικότητας του ακροατηρίου, έχω κωδικοποιήσει σύντομα τις σχέσεις μου σε 11 σημεία. Pour faciliter aussi la traduction, comme nous avons un public multiethnique, je vais seulement faire une petite liste de 11 points. Σημείο πρώτο, η κρίση είναι παγκόσμια, είναι πολύπλευρη, είναι ευρωπαϊκή, είναι εθνική. Point premier, la crise est globale et européenne et nationale. C'est une crise du capitalisme, c'est une crise du modèle néolibéral. Mais à part la crise et la recopie du neoliberal modèle, risquent les dynamiques du capitalisme et de la crise. À cause de la crise et à cause de la dérota, la défaite du système capitaliste, maintenant les forces du capital sont au contre-attaque. La crise αυτή έχει πιο δραματικό χαρακτήρα και πιο μακροχρόνια διάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Cette crise a un caractère dramatique et c'est une plus durance plus longue en Europe, en Union européenne. Ο λόγος είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός εισήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Μάστερ κατά δύο τρόπους. La raison, c'est parce que le néolibéralisme s'est rentré au niveau de l'Europe après le traité de Maastricht avec une manière très violente. Σημείο δεύτερο. Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο δραματική και κρατάει περισσότερο διότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση επιβιώνουν την κατάσταση. La crise au sein de l'Union européenne est plus dramatique et dure plus longtemps parce que justement les politiques qu'on a employées pour faire face à la crise font le contraire et aggravent cette crise. Ενώ η συνταγή και το μοντέλο αποδείχθηκε λαθεμένο και αποτυχημένο, συνεχίζουν να το εφαρμόζουν παραγόντας το τόπο. Malgré le fait que le modèle, la recette, s'est prouvé que c'est erroné, il continue à l'appliquer en allant vers l'inconnu. Έκαναν βασική αιτία της κρίσης το δημόσιο χρέος.
ils ont fait de la dette publique la cause principale de la crise. Commençons par partant de la Grèce et des autres pays du Sud. Οι συνταγές που ακολούθησαν για την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους ήταν οι πολιτικές συνειδητότητες. Οι ρεσέτες που αγγλικοί που θα φάσουν σε αυτή την πλήση ήταν οι πολιτικές δευτερίτες. Ενώ ακόμα και στα απλά εγκυρίδια πολιτικής οικονομίας και στην ιστορία της ανθρωπότητας, καμία χώρα δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους με πολιτικές συνειδητότητες. Par contre, on sait bien, et on peut les voir dans les plus simples des livres de l'économie politique ou avec les expériences de toute l'humanité dans notre histoire, aucun pays n'a pu faire face à une crise de dette publique avec des politiques d'austérité. Αυτές οι πολιτικές κωδικοποιήθηκαν στα μνημόνια που υποχρεώνονται να υπογράψουν τώρα προκειμένου να δαγειοδοτηθούν για να ξεπληρώσουν ποτέ δεν το χρέος. Et ces politiques ont été codifiées dans les mémorandums que les pays ont été forcés à signer afin de recevoir des fonds pour, disons, payer la dette. Pilotica, pyramidica, artificiae farmosque, sinelada, que acolutsa, y Portugalia, y Irlandia, y Kipros, hemos hablado de fores, orismonia, farmosco, y enquimén, coitilito. Cet expériment était d'abord appliqué aux Grèces, après ça a été suivi par l'Irlande, le Portugal et le Chypre, et il y en a d'autres pays qui appliquent la même politique de solidarité, même sans être sous le mémorandum. Les synergies de cette politique en Ελλάδα les a référées historiquement au Yorkos Kantzouman. Les conséquences de cette politique ont été mentionnées brièvement au début par Yorkos Kantzouman. Επαναλαμβάνω τα πιο βασικά. Je vais répéter seulement les trucs les plus importants. Έκτη χρονιά κρίσης. C'est la sixième année de récession. Με μείωση του ακατάρριστου εγχωρίου προϊόντος της τάξης των 30%. Avec une réduction du PIB d'un pourcentage de 30%. Ανεργία πάνω από 24%. Chômage plus élevé que 27%. Ανεργία των νέων μέχρι 25 χρόνων. Le chômage juvénile des gens jusqu'à 25 ans, ça arrive au 60%. Une grande partie de la population vit au-dessus du seuil de la pauvreté. Nous avons des phénomènes d'une crise humanitaire. Des suicides. Et des enfants qui ne sont pas bien parce qu'ils n'ont pas pour manger. Point 3. La crise, από την εμπειρία της Ελλάδας, έχει φέρει ραγδαίες και ριζικές πολιτικές ανακατατάξεις. La crise, en prenant aussi l'expérience de la Grèce, a abouti à des changements radicaux au niveau politique. Όσες κυβερνήσεις. Είχε πολιτικές δυνάμεις, υποστήριξαν το μνημόνιο καταραίων. Les gouvernements et les forces politiques qui ont soutenu le mémorandum sont en train de s'écrouler. Η αριστερά, με πρόγραμμα κατά του μνημονίου και κατά του νεοφιλελευθερισμού, έχει δυνατότητες να αυξήσει την επιβίωση. La gauche, avec un programme qui est en contre de ces mémorandums et de ces politiques, a la possibilité d'augmenter ses forces. Αυτό μας δείχνουν τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών στην Ελλάδα. Ça, on peut le voir avec les résultats électoraux aux dernières élections. Επομένως, το άσχημα, η αριστερά μπορεί να θέσει το θέμα να γίνει κυβερνητική ιδέα. Alors, il y a une base sur laquelle la gauche peut poser la question avec laquelle elle peut devenir une force gouvernementale. Εύχομαι τα αποτελέσματα σε κράτη της Ευρώπης και τελικά και οι ευρωεκλογές να επιβεβαιώσουν αυτή την εκεί και αυτή την εκεί. J'espère que les résultats électoraux dans les divers pays membres de l'Union, mais aussi avant les élections européennes, affirment cette estimation que je fais. Σημείο τέταρτο. Point 4. Η αριστερά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. La gauche au niveau national et européen. Για να πραγματοποιήσει τους στόχους που ανέφερα πριν. Afin de réaliser les buts que je viens de dire. Και από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Et en prenant l'expérience de ΣΥΡΙΖΑ en Grèce. Πρέπει να οικοδομήσει ευρύτατες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες.
doit fonder des coalitions amples au niveau social et au niveau politique. Nous avons une grève générale. Et les agriculteurs sont dans la rue. On a eu des grèves chez les gens qui travaillent au port, chez les transports publics. Nous devons renforcer ces luttes et les amplifier aussi. La majorité de la société doit réagir et doit lutter afin de renverser ces politiques. La gauche a le devoir de politiser ces luttes et de leur donner une orientation pour les violences, pour le ministère. Point 5. La gauche a l'obligation de développer une proposition alternative pour au niveau national et au niveau européen. Camarade Ville a aussi mentionné ce point-là. Simon. Δεν μπορούμε να λυθούν προβλήματα σε εθνικό επίπεδο αν δεν λυθούν σε ευρωπαϊκό. Σε αυτό να δείτε και ο πρόεδρος του λυθούν το πρόβλημα με λίγο να Δεν μπορείς να ακολουθείς μια πολιτική πορεία σε εθνικό επίπεδο αν το ευρωπαϊκό πλαίσιο παραμένει το σημερινό. On ne peut pas mener des politiques au niveau national différentes si le cadre européen reste comme il est. Nos buts, chers camarades, doivent vous présenter des solutions au niveau national, au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. J'ai visité, ça fait pas très longtemps, avec une délégation, avec les présidents du Brésil et de l'Argentine. Je voudrais vous dire qu'il faut vraiment étudier l'expérience qui a été dans cette région du monde. Et plutôt, en ce qui concerne comment on fait face au problème de la dette, au sujet de la solidarité sociale, et aux efforts qu'ils ont faits pour changer les systèmes financiers au niveau mondial. Votre patience, s'il vous plaît, de me terminer. Point 7. Je suis d'accord avec la marabillie que le but de la gauche européenne doit être le changement de l'Europe. La réformation de l'Union européenne. Cette Union européenne, de la manière qu'elle évolue, elle n'est pas la nôtre. Δεν είναι το όραμά μας για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec une autre vision de l'Europe, de la paix, de la démocratie et de la solidarité. Και κρυφό θέμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η αντιμετώπιση του κρέους. Et un point central dans cette situation, ce sera la comment faire face à la dette. Και εδώ το πρόβλημα συνδέεται με τη λάθος αρχιτεκτονική της νομισματικής τάξης. Et ici, le problème est vraiment lié avec la fausse construction, la fausse construction de l'Union européenne. Je voudrais dire qu'on a les preuves maintenant que l'euro, c'est un peu plus qu'une monnaie. Comme les Espagnols disent que Barcelone, c'est un peu plus qu'une équipe.
Comme le camarade Arda aussi a dit, pour nous faire face à la dette, ça veut dire qu'il faut annuler les mémorandums. Ah, il y a vraiment aussi, donc il y a encore ce qui se passe. Avoir une autre négociation des accords pour les vivriers. Et la course climatique, la course climatique, la contrôle du secteur financier avec la nationalisation de plusieurs banques. Renforcement de force du travail. Et un programme de développement. Pour un neuf. Changement au système politique. La crise que nous vivons, c'est une crise au niveau politique et du système politique aussi au niveau national et en Europe. La démocratie au niveau national et au niveau européen est sous attaque. Les institutions représentatives sont sous-estimées les parlements nationaux et les parlements européens. Par contre, ça renforce l'autoritarisme, vous avez bien compris, et la répression. Et ça, c'est confirmé aussi par la manière avec laquelle le gouvernement grec fait face à tout le mouvement social. Alors, notre lutte doit être aussi une bataille pour défendre la démocratie et les droits. Point 10. C'est une bataille très critique, très importante au niveau idéologique. Le rôle de Mass Media et d'autres centres d'intervention idéologique chez le public, c'est quelque chose du presque jamais vu. Peut-être une des plus difficiles côtés de notre bataille, ça va être de convaincre les travailleurs et la société qu'il y en a un autre chemin. Donc, il faut, en ce qui dit avec les termes des Grassiens, il faut acquérir et il faut avoir l'hégémonie idéologique en Europe, mais au niveau national aussi. Je vous ai promis 11 points, je vous ai déjà dit 10. Je n'ai pas trouvé une meilleure ancienne position. Mais l'ancienne position de Lars Fogelberg, qui a dit les philosophes traduisent le monde avec une manière différente. L'important, c'est de changer le monde. Je pense que c'est ça notre devoir. Je vous remercie. Merci à Nikos Koudis. Avant d'ouvrir le débat, dire tout d'abord que Willy Meyer, malheureusement, il doit nous laisser parce qu'il doit assister à une interview avec une chaîne concernant le développement en Amérique latine. Donc, on le remercie encore une fois d'être venu ce soir. Et on espère que la prochaine fois, on va la répéter avec une plus longue durée. Merci. Merci, Willy. Merci. Et dire aussi que parmi nous ce soir, on a aussi la chance et l'honneur d'avoir aussi Marisa Mathias Soto, députée du Bloc de gauche du Portugal, qui est aussi la vice-présidente du Parti de la gauche européenne.
mais aussi une importante délégation des syndicats belges avec la présence de Nico Couet, de Manuel Castro, de la GPB de Metallo. Et donc, redire avant d'ouvrir le débat que bon, vous avez remercié aussi l'association culturelle de Jeunes d'Apremont. Et donc, je crois qu'il y aura aussi un papier qui a circulé parmi vous pour bon, avoir vos détails et rester en contact, mais aussi une boîte qui va circuler pour la participation, pour les frais de la salle. Et donc, comme Alda a déjà dit, il y a aussi un document sur la table à l'entrée en ce qui concerne la situation au Portugal avec des chiffres plus précis. Et donc maintenant, bon, je vais ouvrir la parole s'il y a des questions, des interventions courtes pour permettre aussi d'avoir un second tour de parole. Et peut-être avant ça, de donner la parole à Nico Couet pour dire aussi quelques paroles en plus de l'intervention de Georges sur la situation en ce moment en Belgique, de donner quelques minutes. Comme de là. Merci de l'invitation. Désolé. Oui. Ça, tout le monde le voit. C'est mieux. Je pense que c'est mieux comme ça, non? Vous m'entendez? Oui. C'est merci. Non, le bouton ici. Ici. Okay. Ah voilà, c'était pas le bon bouton, ça commençait. Donc, merci en tout cas de l'invitation parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de se retrouver entre guillemets entre nous et pouvoir échanger des situations qui sont presque similaires. Il y a quelques mois d'ici, on avait fait en tant que métallo un édito en disant ben, la Grèce et l'Espagne de 1936. Certains de mes camarades ont dit que c'est quand même un peu brut et qu'on ne peut pas comparer quand même des situations aussi difficiles. En fait, la comparaison, c'était que tout ce qui était en train de se faire en Grèce, tôt ou tard, passait la frontière de la Grèce pour que ça se développe dans le reste des pays européens. Pas plus tard que ce matin, au bureau de la GTB, comme ça vous avez des notes d'actualité, vous savez qu'il y a une grande action de la GTB, enfin de l'ensemble des syndicats, jeudi, avec une grande manifestation ici à Bruxelles, après avoir visité toutes les fédérations partenaires qui existent dans la région de Bruxelles. On va faire une grande action, parce que tout simplement, on est petit à petit amené, sans qu'on s'en rende compte, petite mesure après petite mesure, dans une situation qui risque d'être équivalente à celle de la Grèce. C'est quand même incroyable que, soi-disant pour lutter contre la dette publique, je rappelle que tous les pays d'Europe pratiquement diminuaient leur dette publique avant 2008, que ces dettes ont explosé, continuent d'exploser. Je ne sais pas si Wilmer l'a dit, mais la dette espagnole d'information tombée lundi, c'est plus 143 milliards après avoir pris toute une série de mesures d'une brutalité sans précédent, sauf en Grèce, évidemment, qui sert de laboratoire pour le reste de l'Europe. Nous ne pouvons pas laisser continuer ces choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas comme en 36, on ne compte pas les morts par centaines, mais pas dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en Espagne, on se jette par la fenêtre, on se suicide parce qu'on vient reprendre sa maison. En Grèce, le nombre de suicides devient presque un chiffre tabou, on n'ose pas le dire. En France, les gens s'immolent par le feu, les chômeurs se brûlent devant les maisons de l'emploi. Ici en Belgique, on n'en est pas encore à ce point-là, mais je peux vous dire que beaucoup de pensionnés qui ont travaillé pratiquement toute leur vie se retrouvent dans une situation qui devient de plus en plus intenable. On a un gouvernement
premier gouvernement, enfin, un des rares gouvernements avec un ministre socialiste. Et tantôt, j'entendais que c'était le modèle néolibéral qui était en train de se casser la figure. Je pense que c'est bien plus que ça. C'est le modèle d'après-guerre qui est en train de se casser la figure. Cette fameuse social-démocratie inventée par une série de personnes qui pensent qu'en se mettant autour de la table patron, syndicat et gouvernement, on allait pouvoir répartir les fruits de la richesse créée collectivement par le travail, on se retrouve dans une situation où le patronat n'a absolument plus besoin de cela et on a malheureusement ici en Belgique une participation des socialistes au gouvernement qui sont à la solde, qui sont à la traîne, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas complices des mesures très antipopulaires que le gouvernement est en train de prendre. C'est pas terminé puisque les budgets, plus d'austérité il y a, plus les budgets sont difficiles à boucler. On ne peut pas décemment y remettre à peu près 200 millions d'Européens à la diète, avec des diminutions de salaire, avec des diminutions de pensions, avec des diminutions des indemnités de chômage. Et y considérer que l'économie va continuer comme ça, c'est impossible. On a évoqué la sidérurgie, mais tous les secteurs économiques sont touchés de façon importante. Vous voyez Ford, again, mais ce n'est pas la seule. Vous voyez en France, PSA, Renault. Il y a une crise de l'économie réelle qui est en train de prendre une profondeur sans précédent. Sauf, retour en arrière, et je ne suis pas un pessimiste, c'est la crise des années 20, des années 30, avec, camarades, tous les dangers qu'il y a de ce genre de crise. Et donc, il va falloir qu'on retrousse les manches, j'étais assez d'accord qu'on doit rassembler le maximum à gauche. En ce qui nous concerne, on a pris l'initiative maintenant depuis quelques années, et c'est un peu le fruit de la solidarité qui naît à travers ces hommes vitaux, mais pratiquement, avec tous les syndicats qui sont encore, ou qui ont encore envie dans leur déclaration de transformer la société, et donc, fin de semaine, on réunit huit secrétaires généraux à Pont-Alès, dans notre centre de formation. Donc il y aura la CGT, commission ouvrière étant en congrès, ils en verront un représentant, mais aussi les Anglais de l'UNAIC, je rappelle que c'est le troisième syndicat au niveau européen, et on essaie, donc la CGT, évidemment, les Italiens, la Poème pour la Grèce, l'OGDL pour le Luxembourg, la CGT, enfin, j'en dis l'un ou l'autre. L'important, c'est de créer des rapports de force qui nous permettent de renverser la vapeur, sinon, dans les années à venir, on aura des situations très, très, très compliquées, parce que l'extrême droite est très présente, et pour parler encore, et pour terminer par là, la région de Florence, où on va faire une sidérurgie. On va voir ce que les discussions entre Tajani et M. Mittal cet après-midi ont donné. On fait des grandes déclarations au niveau de la presse, mais je pense que malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. La région de Florange, où militants de la CGT, y compris la CFDT, mène un combat terrible, les pourcentages du Front National sont en train d'exploser. Parce que tout simplement, Hollande n'a pas respecté ses engagements. La tentative de Montebourg de nationaliser une partie de la sidérurgie à Florange avec un véritable échec est complètement barrée par le Premier ministre Hérault, et les sondages que le copain de la CGT nous donne de la situation politique à Florange est absolument dramatique. Et donc il va y avoir un certain nombre d'échéances dans les années qui viennent. On a évoqué les élections européenne, il ne faudrait pas que ces élections européennes se transforment en un repli national. Moi, je suis, et mon organisation, un Européen convaincu. Je rappelle quand même que si on revient à l'idée de l'Europe, c'est de créer la richesse collective et la redistribuer.
On avait la CECA qui permettait de réguler le marché du charbon et de l'acier. On a eu Airbus qui a permis de créer des centaines de milliers d'emplois en Europe et de créer une entreprise extrêmement performante, pas simplement au niveau capitalistique, mais au niveau qualité et richesse de travail. Mais on a la possibilité de faire des projets industriels. Peut-être une remarque par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. N'oubliez pas que toute création de richesse, c'est la transformation de la matière. Si on perd nos usines industrielles, on perd notre richesse. Ce n'est pas les services qui vont permettre d'assurer notre avenir, c'est la capacité que l'on a de faire encore de la transformation de matière, c'est là où est la vraie création de richesse. Voilà, moi c'est un message de solidarité, je suis extrêmement content d'être ici avec vous. Un peu en retard, mais les journées sont fortement remplies ces derniers temps. Merci.